je vais baisser mon 45 Magnum. Wow, what a mansion! Tirant ses origines du manoir de Resident Evil 1, la saga a évolué vers un jeu aux allures de film hollywoodien. Captain Wesker, where's Chris? Découvrez ce death test de Resident Evil 6. Resident Evil 6 est un gros titre d'une saga qui est à l'origine un survival horror. Depuis Resident Evil 4, la saga se tourne de plus en plus vers l'action. Et c'est pour cette raison que l'on peut dire que le titre est plus un action horror qu'un survival horror. Les fans nostalgiques les plus puristes des premiers opus n'hésitent pas alors à parler de descente de la série. Mais elle ne fait que d'essayer de garder sa place dans une époque où tout le monde veut tout, tout de suite, sans effort, et que les jeux d'action marchent mieux que tout le reste. On peut voir par exemple la série Silent Hill qui agonise avec le temps, victime de notre époque. En d'autres termes, Resident Evil 6 montre que la série s'adapte avec son époque. Hannigan, on peut aller à la tour par là ? Oui, il faut continuer dans cette direction. Dans ce Resident Evil, on retrouve un casting de choc. On retrouve des personnages incontournables de la série, tels que Léon, issu de Resident Evil 2 et 4. Ou encore Chris Redfield, le mec des forces spéciales des Stars, qui s'est amené dans un manoir rempli de zombies, juste avec son couteau. Lui, il sait c'est quoi que l'expression se ramener avec sa teub et son couteau, tu vois. Bref, qu'est-ce qui devient dans Resident Evil 6 ? Bah moi, je suis devenu tellement ouf à Black Ops avec le couteau que je suis devenu comment en vrai. Tu vois, lui, j'ai niqué. Tu vois, j'ai niqué parce que moi, je suis level 14. Tiens ton pied, là, il est ta mère, là, c'est connard. Tu crois quoi, là ? Je nique plus des zombies, là. Maintenant, je nique des monstres de ouf. Et j'ai le niqué, tu vas voir. Vas-y, viens, viens. Vas-y, viens, ta mère. Vas-y, viens. Oh. On retrouve aussi des personnages secondaires tels que Ada Wong, la petite perverse qui arrête pas de chercher Léon où qu'il aille depuis Raccoon City. C'est vrai, quoi. Comme par hasard, elle se retrouve avec lui dans un coin paumé en Espagne et comme par hasard, dans une grande ville métropolitaine de Chine. Small world, eh? Le monde est petit, ouais, c'est ça. On dirait que tu as vu un fantôme. Ou pas. T'es là où il y a Léon dans Resident Evil 2, le 4, le 6, putain de stalker. Il y a aussi Sherry Birkin de Resident Evil 2. À travers ce personnage, Capcom a voulu faire plaisir aux fans. Comment vous savez ça ? Elle est devenue un agent assez spécial. Vous êtes Chris ? Elle qui était un véritable boulet dans deux. Après, il y a aussi Jack, qui est le fils de Wesker. Le fils du grand méchant de la saga, mais qui l'assume pas vraiment. Le pauvre petit. Enfin, il y a Elena, qui... qui a juste un bon profil. Oui. Et la petite chatte, là ? La petite chatte, ah oui. Pour orchestrer l'ensemble des personnages, les développeurs ont mis au point 4 scénarios joués par 2 personnages chacun. Dans chacun de ces scénarios, les personnages se croisent à des intersections. C'est-à-dire que par moment, on croise les autres personnages lors de chaque aventure. Le meilleur dans cette idée, c'est qu'on peut croiser de véritables joueurs qui nous croisent lors de leur partie. Après, ce qu'on remarque aussi, c'est que les développeurs, ils ont poussé leur série dans un esprit coop et communautaire. On peut jouer à deux pour chaque scénario, et on peut participer aux événements et comparer nos performances du jeu sur ResidentEvil.net. Le gros défaut dans tout ça, c'est qu'on ne fait plus dans son froc quand on joue. Il n'y a plus l'aspect d'exploration non plus. Par contre, les scénarios, ils sont plus longs,
et les événements y donnent régulièrement de nouveaux challenges. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la durée de vie du jeu, elle est très bonne, quoi. Ne la perdez pas ! Ok ! La jouabilité, elle est bien tournée sur l'action. Tu peux faire des roulades, te mettre à couvert, et utiliser ton soin ou tu le partages. Le système d'inventaire, il est bien meilleur que dans le 5. On peut stocker les soins sous forme de tablettes, et on a plus de place dans l'inventaire. Bon, maintenant, je vais te parler des Quick Time Events. Tu sais, c'est quand tu dois appuyer sur la bonne touche au bon moment. On avait commencé à les voir sur le 4. Bah, dans celui-là, il y en a nettement plus. Par exemple, un zombie te chope, ben t'appuies sur la bonne touche. Ah oui, et si t'as plus de mission, t'inquiète, t'as toujours tes pieds et tes mains pour faire comme Jet Li sur les zombies. Eh sérieux, des fois t'as trop l'impression de jouer à Shaun of the Dead, tu vois. Hey, mais qu'est-ce que vous foutez là-bas? On doit évacuer, allez! Les décors sont variés et détaillés, tu vois. Moi qui suis un ancien des premiers Resident Evil, j'apprécie beaucoup de voir le début de l'épidémie dans la métropole chinoise avec Léon. Ça me rappelle la catastrophe sur Raccoon City dans le 2 et le 3. Dans ce Resident Evil, on voyage beaucoup quand même, puisqu'on passe d'une université américaine à l'Europe de l'Est, puis on termine en Chine. Puis ben, quant aux monstres, ils sont tout de même convaincants, faut le dire. Alors elle se présente comme une bande-son hollywoodienne. Les musiques collent bien aux situations et aux endroits. Quand on joue Ada, on a un peu l'impression de jouer à un James Bond. Et alors, les doublages français, ils sont impeccables. J'aime beaucoup la voix d'Elena et celle de Ada. D'ailleurs, si quelqu'un a leur numéro... Resident Evil 6 ne plaît pas à tous les fans puristes. Ça, c'est sûr. Mais il a le mérite de survivre à notre époque, en se tournant vers l'action. C'est plutôt un comble pour un ancien survival horror. Si t'as envie de tourner le jeu en mode survie, il te faudra juste y jouer en vétéran ou en mode sans espoir. Là, les munitions sont très limitées et ne pardonnent aucune erreur. En tant que fan de la série, ma note est 12 sur 20. Mais pour ce cul-là... Allez, 14. Peut-être 16, avec celui de Ada. Il y a des petites cattes là. Ah oui, il y a des petites cattes là, oui. Moi j'aime bien les petites cattes, hein. Même si ça laisse des poils des fois et tout. Hein. Les petites cattes là. Mais faut bien s'en occuper, hein. Ça met les caresses et tout. Les petites cattes.